Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vidéo ASMR sur MS Pay. Non, je déconne, en vrai c'est juste qu'il fait tard, très tard, et que j'avais quand même envie de faire une vidéo. Du coup, on est parti sur un relooking. Voilà, donc j'espère que ça va. Moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui on va relooker t'es qui en fait, lol. Et donc désolé un peu pour ma voix merdique hein, parce que j'essaie de ne pas parler trop fort. De toute façon, montage, j'augmenterai le son de ma voix. Ça fera un genre de ASMR, pas ASMR. Bref, alors là, on arrive au relooking de Teki en fait. Donc, on va envoyer déjà un petit auto. Donc, me demandez pas c'est quoi ce look que j'ai. Alors, pour ma défense, il y a quelqu'un qui m'a dit que mon look était trop beau. Je sais pas comme, pourquoi la personne a dû dire oh c'est 15 elle, donc je vais lui dire qu'elle est belle même si c'est pas vrai. Parce que franchement, non mais je suis terrible. C'est terrible, c'est pas possible. Bref, on va faire un relooking et comme d'habitude, si vous voulez être looké, il vous suffit de mettre votre pseudo dans les commentaires sous la vidéo. Ben écoutez, c'est parti, on va relooker. T'es qui en fait? Je dis ça, mais je suis pas. Mais là, je suis là. Tu me vois pas ou quoi? Oh, t'as la... Elle lui a fait un truc assez atypique au niveau du visage avec le fard à paupières, mais je trouve ça joli, c'est stylé. Alors, on enlève tout. Hop. Donc bon, elle aime pas trop les couleurs, j'ai l'impression, donc on va lui mettre des couleurs, si on en trouve. Donc si on trouve des couleurs, on va lui mettre des couleurs. Ah bah tiens, un look citronné. Ça serait trop simple, j'aime bien cette robe. Ça serait bien juste de trouver une petite veste avec. Bon, on va voir si elle a une veste. Bah il y a ça, mais bon, ça... Ouais, quoi que ça passe. Mais bon, c'est pas trop le style, hein. C'est pas trop la stylisation. On va essayer de trouver ouais, plus un truc comme ça. Je trouve que ça correspondrait mieux. Beige ou blanc? Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, le beige ou le blanc? J'aime bien les deux. Mais je trouve que celui-là, il fait quand même mieux. On va voir si elle a une autre veste. La noire, non. Enfin, j'aime bien, mais pas avec cette robe. Oh, quoique la grise, elle pourrait le faire. Non, on va voir plus loin. Ouais, peut-être ça. Ouais, ça passe. Eh, hey, pas mal. Ou un impair. L'impair, j'aime bien aussi. Mais ça le fait pas trop avec la robe, en vrai. Hein. Mais j'aime bien quand même. Bon, après, bon. Hein. Non, je pense qu'on va revenir sur la veste. Enfin, ça, là, le truc, là. Avec la pelote de laine, là, ou je ne sais trop quoi. Et on va directement chercher des chaussures qui correspondrait bien avec le look. Alors, soit les blanches, là, elles vont bien avec. Ça fait un rappel de couleur avec... Oh là là. Oh. Mais c'est quoi tous ces poussins? Mais c'est quoi tous ces poussins? Non, bah, je pense qu'on va rester sur les chaussures, là. On va essayer de lui chercher des cheveux, quand même. Ça, j'aime bien. C'est original. J'aime bien. Bon après ça, bon je vais pas mettre celui-là parce que celui-là je le mets déjà partout. Je kiffe tellement ses cheveux que c'est pas très original de les choisir. Ça aussi ça passe avec. Mais ouais, les cheveux gris du début me plaisaient bien. Ça c'est stylé quand même. Et j'ai envie de revenir sur les cheveux. Non, on va revenir sur les cheveux du... Oh bah, je crois qu'elle aime beaucoup cette couleur. Hein. Je pense qu'elle aime beaucoup cette couleur. Mais on va revenir aux cheveux de départ, c'est ce qui me plaisait le plus. C'était ceux-là ou ceux-là? Non, c'était ceux-là. Mais ouais, non, ceux-là, ils passent bien aussi, ils sont encore mieux. Accessorisons tout cela. on va lui mettre ses lunettes. Ça ira bien avec le look citronné. On adhère, on valide. On descend un peu plus bas. Voilà, quand même de très jolis accessoires. On pourra peut-être trouver... quelque chose de cool. Tiens, voilà, comme ça, ça fait genre elle a un bracelet. Le collier avec la lune, ça passe. Ouais, bah écoutez, moi je trouve qu'au niveau accessoires, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de notre premier look de cette vidéo? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Ouais, on va s'arrêter là pour le premier look. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Et comme d'habitude, non, c'est là. 15 L est passé. Par là. C'est reparti pour de l'ASMR. Non, je déconne. En vrai, je sais même pas comment ça va faire au montage l'ASMR.
En vrai, ça se fait, je vous pète les oreilles. Bon, maintenant, c'est au tour de Eva pour le relooking. Et nous allons lui faire un joli look à la Christina Cordula. Elle va kiffer, Christina. Alors, voyons voir quel est son look de base. Alors, elle a un look assez rock, je dirais. Donc, on va lui faire un look rose. Bien évidemment. Et toujours l'inverse, j'aime bien. J'aime bien les opposés. Alors, voilà. Ou un look pastel. Un look pastel aussi, ça passe. Franchement, je sais pas ce que j'ai avec le jaune, là, mais... J'avais envie de mettre la robe militaire, mais non. Mais non, on avait dit un look pastel ou un look assez coloré ou rose, un truc de ce genre-là. Mais ça, j'aime bien le hola. Mais pareil, si je mets le hola, vu qu'il est simple, il faudrait que j'essaye de trouver un petit... une petite veste. Ah bah non, il n'y aura pas de veste. Mais dans les accessoires, peut-être que je trouverai une veste en cuir. Bah, tiens, on va lui mettre ça. Ça, le jaune aussi va bien. On va aller voir plus loin quand même. Non, j'aime bien. Ça fait un peu sportif, mais ça passe quand même. Ouais, on va lui laisser ça. On va lui mettre des chaussures. Hein, parce qu'une fois, j'ai oublié de mettre des chaussures. Je sais pas pourquoi, des fois, je saute les chaussures en ce moment. Donc, il me faudrait des baskets avec ce look. Bon, on va mettre cela. On va mettre cela parce que bah, ça va bien avec le pantalon. Aussi simple. Oh, quoique, cela, je peux mettre cela. Ça fait un petit rappel de couleur avec le petit top débardeur violet pastel. Et on va passer aux cheveux. Et pour les cheveux, qu'allons-nous mettre? Non. Ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, je valide. Ben, on va valider ceux-là. On va directement passer aux accessoires. Et on va trouver des petits accessoires sympas, je l'espère. Non, j'aime pas la veste. J'aime pas cette veste. Voilà, c'est dit. Peut-être du coup, si on met pas de veste, on va mettre des tatouages noirs. Au moins, ça, voilà quoi, ça accentuera un petit peu plus des accessoires. Et on continue. Qu'est-ce que nous pouvons trouver? Peut-être quelque chose pour les cheveux. Ouais, non. Un petit peu gros le papillon. Non, bah écoutez, bah je pense qu'on va la valider comme ça. J'aime bien. Bah c'est assez simple, mais j'aime bien quand même. Hein, des fois, les choses simples sont les meilleures. Et pour finir le look, on est tombé sur un garçon. Donc, je vous avouerai que j'ai un petit peu forcé le destin pour tomber sur lui. Tout simplement, parce que je rappelle que vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de garçons, n'hésitez pas à me préciser dans votre commentaire que vous avez un compte garçon ou que vous êtes un garçon pour que je force un petit peu le destin et que je trouve un commentaire justement avec un garçon. Voilà, donc ça va être le relooking de Didilbo. Donc, j'espère que je prononce bien son pseudo. Et écoutez, on va aller voir un peu ce qu'il a, vu qu'il a un petit niveau. J'espère qu'il aura quand même un petit peu d'affaires. Mais de toute façon, peu importe, hein, le look, peu importe le nombre d'affaires que vous avez, vous pouvez très bien participer pour le relooking. Il n'y a pas de souci, les gens. Hop, on enlève tout. J'arrive pas à changer. Ah bah voilà. Hier, j'arrivais pas à enlever l'éclair, mais si. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, j'aime bien l'eau militaire, ça on l'a déjà utilisé une fois. Mais vu que c'est assez original. Ce petit haut, on va mettre celui-ci avec soit ça, je ne sais pas trop. Bon, on va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci avec des crêperettes noires. Pour les cheveux, ça se voit qu'il aime bien cette couleur. Non. Ça, c'est bien. On va lui mettre ça. Ça, j'aime bien. Alors, on va lui mettre les taches de rousseur. Vous connaissez mon kiff pour les taches de rousseur. Ça, je pense que je ne le cache plus à personne. Hein. En ce qui concerne, après, les accessoires. Bon, en fait, il n'y a que ça. Du coup, on va lui mettre ça. Ça reste dans l'esprit de l'animation japonaise. Truc sur la bouche, c'est bien. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Attendez, c'est quoi? C'est un... Ah, je pensais que c'était peut-être un smiley au-dessus de la tête, mais pas du tout.
C'est un petit badge. Bon, on va pas le mettre parce qu'après ça gâche l'image de son t-shirt. Bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour les relookings. J'espère que ça vous aura plu. On va bien sûr valider le relooking. Je rappelle comme d'habitude que si vous voulez participer, il suffit de mettre votre pseudo dans les commentaires sous la vidéo. Vous allez passer par là. Voilà, et que moi à chaque fois je tire en général 3 personnes, voire 4 si je me dépêche au niveau des relookings. Et bah voilà, toujours sous la dernière vidéo relooking. Donc si vous regardez cette vidéo mais qu'une nouvelle vidéo relooking est sortie, eh bien votre commentaire vous devez le mettre sur la dernière vidéo relooking. Voilà, tout simplement. Bah sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao.